Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la télévision de l'Arménie occidentale. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Communiqué du Conseil national d'Arménie occidentale. Une cérémonie de remise des prix a eu lieu au Panthéon militaire de Yerablus. Le centre égyptien Maat accuse les crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan. La Turquie renverra les experts russes du système de missiles S-400. Interview avec le combattant de la liberté Haykalem Netsakanyan. Lieu inconnu à l'Arménie occidentale, lac Bouyer. Les pluies torrentielles dans la ville d'Amasya de l'Arménie occidentale s'est transformée en inondation. Le tribunal allemand acquitte Soroman Peleyan pour le meurtre de Talat Pacha à Berlin le 2 juin 1921. Nous avons appris dès ce matin que les corps de plusieurs centaines de nos jeunes soldats se trouvent conservés dans le frigo de la morgue de l'hôpital de la tuberculose d'Abovian, emballés dans des sacs en plastique. Le président Armenak Abrahamian s'incline une nouvelle fois devant les dépouilles de nos jeunes soldats. Nous sommes arrivés à une situation tellement scandaleuse, ce qui vient de se passer en Arménie depuis le 27 septembre 2020, correspond à des crimes de masse en série non seulement venus de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du terrorisme international avec la complicité d'autres pays, mais en plus sous couvert des autorités actuelles, ce qui veut dire qu'il y a une volonté délibérée d'instrumentaliser les crimes perpétrés contre les jeunes arméniens d'Arménie. C'est effroyable, c'est abominable, c'est intolérable. Des changements dans la gestion politique du pays et la reprise du main de la sécurité de la population arménienne sont nécessaires, immédiatement, sans attendre. À l'occasion de la Journée internationale des casques bleus, une cérémonie de remise des prix d'État s'est tenue au Panthéon militaire Yerablus. Le commandant de la brigade des forces de maintien de la paix, le général de division Tonoyan, a exprimé sa reconnaissance et gratitude aux soldats qui ont fait preuve de courage pendant la guerre du 27 septembre 2020, ainsi qu'aux proches des victimes de cette guerre et a remis des récompenses décernées aux militaires. Selon les experts du centre égyptien Maat, les atrocités et les crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan, suite auxquels 41 civils ont été tués et 110 000 civils ont quitté leur résidence permanente, correspondent pleinement à la charte du Tribunal militaire international de Nuremberg de 1945. Rappelons que les relations turco-égyptiennes se sont tendues depuis 2013. Le président Abdel Fattah al-Sisi considère la Turquie comme une puissance hostile qui menace le système politique égyptien. La Turquie a déclaré qu'elle renverrait les experts du missile S-400 en Russie, car ce fait a causé des difficultés dans les relations avec les États-Unis. La déclaration a été faite à la veille de la rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Joe Biden dans le cadre du sommet de l'OTAN à Bruxelles, indique le communiqué. Washington a déclaré que la Turquie devait arrêter la présence du personnel russe dans le pays, puisque cela contribue au développement des missiles dans la région. Cependant, Mevlüt Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères de la République turque, a déclaré que le système serait sous contrôle turc après le départ des experts, et a mentionné que Ankara ne ferait pas de concessions sur la demande de Washington de secours antimissile, malgré le fait que Washington le considère comme une condition préalable à la levée des sanctions correspondantes. Néanmoins, il a rejeté les appels des États-Unis et a désactivé les missiles. « Nous ne pouvons pas accepter les appels de notre pays pour cesser de les utiliser », a-t-il déclaré. Sur la chaîne de la télévision d'Arménie occidentale, le combattant de la liberté Haykalem Netsakanyan, un participant à la guerre d'Artsakh, a parlé des problèmes et des omissions auxquels il a été confronté pendant la guerre. Il a mentionné que dès le premier jour de la guerre de 44 jours, ils ont formé un détachement pour aller au front, mais de sérieux problèmes liés à l'organisation se posaient sur place et que la seule condition préalable pour survivre dans ces conditions était de s'orienter correctement et rapidement par intuition. Se référant à la diplomatie actuelle de l'Arménie, il a noté que la guerre était le résultat d'une mauvaise diplomatie qui a fait de nombreuses victimes et a causé la perte de la majeure partie du territoire de l'Artsakh. Le lac Bayer en Arménie occidentale est un lac de cratère situé au sommet des montagnes Bayer à une altitude de 3200. Étant l'un des lieux les plus sacrés du Dersim, le lac n'est pas seulement un site touristique mais aussi c'est le lieu où les Arméniens et autres habitants qui ont survécu au massacre de Dersim ont eu l'opportunité de se cacher dans ces grottes. Pour atteindre le lac, vous allez traverser les vallées offrant une vue panoramique et en rencontrant au passage des ruisseaux. Il est intéressant de remarquer que malgré la saison estivale, il neige encore ici. Chers compatriotes, c'est l'un des endroits pittoresques de l'Arménie occidentale. Si vous en avez l'occasion, nous vous recommandons vivement de visiter. Dans la ville de Tachova de la province amasienne en Arménie occidentale, l'eau accumulée en raison des fortes pluies s'est transformée en inondation et s'est écoulée vers les rues centrales. L'inondation a détruit le quartier Erisnak.
Après la pluie de l'après-midi, l'eau accumulée dans le quartier haut a atteint le quartier inférieur de la ville. Les inondations ont perturbé le trafic. Bien sûr qu'il n'y a eu aucune victime à la suite de cette catastrophe, des maisons et des lieux de travail ont été fortement endommagés. Le 15 mars 1921 était le dernier jour de la vie de Talat Pacha, l'un des plus grands bourreaux du peuple arménien. L'écrivain Shahan Natali a expliqué à Soroman Tehlelian ce qu'un vengeur arménien de 25 ans devrait faire après avoir tué Talat à Berlin. « Tu feras exploser le crâne du meurtre numéro 1, n'essaie pas de t'échapper et tu te rends à la police. » Tehlelian est né dans le village de Bagari-Chokamar. Après l'évacuation de l'Arménie occidentale et après le génocide pendant lequel sa mère et ses proches ont été tués, Tehlelian s'est enrôlé dans l'opération Nemesis. Après avoir tué Talat, il a été arrêté mais il a été libéré de la salle d'audience le 3 juin 1921. Acquitté par un tribunal allemand, Tehlelian s'installe à Belgrade, puis à Fresno où il meurt en 1960. Nous vous remercions de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Tovmas Porossian à Raquel Moucher. Bonne journée.